Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission de nos cours d'histoire. N'hésitez pas à soutenir Storia Voce, Storia Voce a besoin de vous pour son développement. Cette émission a été enregistrée grâce à votre soutien et je vous en remercie. Continuez pour se faire rendez-vous sur notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.com dans la rubrique Soutenez Storia Voce. Vous avez énormément de livres et contre un don, vous pouvez recevoir un livre. Il y en a pour toutes les bourses, des petits livres de poche, des formats normaux et enfin des formats de luxe plus importants. Marie Barral-Baron, bonjour. Bonjour. Merci de revenir au micro de Storia Voce. Nous étions vu la semaine dernière pour entamer une nouvelle série consacrée à la République des Lettres. Nous n'évoquons pas la Troisième République, mais bien l'époque de la Renaissance. Vous nous avez présenté cette République des Lettres au cours de cette première émission et ce deuxième volet souhaiterait s'intéresser à un personnage particulier, Thomas More. Alors, nous savons bien que le roi de la République des Lettres, c'était Erasme. Vous êtes déjà venu dans le cadre de notre partenariat avec la revue Codex évoquait cette figure Erasme, puisqu'il était au centre de votre thèse de doctorat que vous avez écrite donc sous la direction de Denis Crouzet. Je ne l'ai pas dit, vous êtes maître de conférence à l'université de Franche-Comté. Qui était Thomas More, Marie? Alors Thomas More, c'est un homme plein de paradoxes, comme le XVIe siècle aime à nous offrir. Donc Thomas More, il est né vers 1477-1478 à Londres, dans une famille extrêmement fortunée, de l'élite marchande de Londres, et il va donc bénéficier de la qualité des réseaux de ses parents et notamment de son père. Grâce à son père, il va pouvoir entrer comme page au service de John Morton, qui est à l'époque l'archevêque de Canterbury. Et ce dernier va repérer les qualités de Thomas More, qui montre beaucoup de facilité dans l'apprentissage de la rhétorique, dans l'apprentissage de la connaissance des classiques, et il va l'envoyer dans un collège à Oxford pendant 2 ans. Et à Oxford, Thomas More va découvrir notamment les classiques, mais notamment Cicéron et Platon, qui vont énormément marquer, je pense qu'on en reparlera, sa pensée et son rapport à l'histoire de son temps. Il y a vraiment deux lectures. Platon, qui est une réflexion sur vraiment qu'est-ce qu'une république, qu'est-ce qu'un État. Donc une réflexion, on est dans la contemplation, alors que chez Cicéron, c'est vraiment l'homme actif. Et ça définit la tension qui règnera toute la vie chez Thomas More entre le politique et l'homme de foi et l'humaniste. Donc Thomas More se plaît énormément à Oxford. Il se plaît tellement que ça inquiète son père, qui va le faire revenir très vite à Londres parce qu'il veut absolument qu'il soit avocat et qu'il poursuive ses études de droit. Donc c'est ce que va faire Thomas More en bon fils, et il va devenir avocat à Londres et rapidement avoir une très bonne clientèle. Mais comme il est très proche des cercles royaux, et notamment d'Henri VIII, qu'il a connu enfant, quand Henri VIII avait 10 ans environ, Thomas More a pu le rencontrer d'ailleurs avec Erasme, et il va donc être invité par Henri VIII à rentrer dans son cercle étroit. Dès 1518, il rentre au conseil privé d'Henri VIII et il devient en 1529 chancelier d'Henri VIII. Donc c'est vraiment le poste suprême. Il a une carrière politique fulgurante, ça faut vraiment l'avoir en tête. Mais on connaît ensuite ses déboires, puisque avec la naissance de l'anglicanisme et le souhait d'Henri VIII, on y reviendra sans doute, de divorcer de son épouse Catherine d'Aragon, eh bien il va se retrouver en porte-à-faux entre ses convictions de chrétien et la réalité historique, et il préférera mourir plutôt que aller contre sa conscience. Il va d'ailleurs il va être reconnu comme martyr dans le christianisme. Il a été canonisé au XXe siècle. Et dans le même temps, c'est un immense humaniste, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas qu'un homme politique,
C'est aussi le plus grand ami d'Érasme et sans doute un des plus grands écrivains latins anglais. Alors je reste sur le martyr quand même, d'où la pièce de Jean Anouilh, Thomas oui. More, qui est magnifique. Quelle a été sa contribution à la pensée humaniste? Elle a été très importante. Quand on regarde, les œuvres complètes de Thomas More, c'est quand même 17 volumes. Donc, c'est énorme et on l'oublie parce qu'on ne retient qu'une seule œuvre. Utopia. Utopia, voilà, exactement, publiée en 1516, en parallèle avec Moria, la Moria d'Érasme, l'éloge de la folie, qui lui est d'ailleurs dédicacé. La Moria, en grec, ça veut dire le fou, et c'est un jeu de mots sur son nom de la part d'Érasme. Donc on retient toujours l'éloge de la folie, l'Utopia, qui est publiée donc en 1516, et qui décrit une société totalement imaginaire, où les hommes travaillent à peine, où on vit en communauté, où il n'y a pas de propriété privée. Et cette œuvre, en fait, c'est une dénonciation de la société anglaise de l'époque. Elle est très compliqué à saisir. Mais il n'y a pas qu'Utopia. Thomas More a énormément écrit. Il a écrit dès 1510 une vie de Pic de la Mirandole, ce qui montre son intérêt pour l'humanisme italien, mais il a aussi écrit des épigrammes, des poèmes, il a écrit une histoire de Richard III, c'est un véritable historien, et enfin, lorsqu'il a été au cachot à la Tour de Londres, il a écrit des textes qui montrent une spiritualité extrêmement profonde. Je songe notamment à un texte qui est splendide et qui s'appelle le dialogue du réconfort dans les tribulations. Qu'est-ce qui le rapprochait d'Érasme et qu'est-ce qui, au contraire, les éloignait? Alors, ce qui les rapprochait tous les deux, sans aucun doute, c'est leur humanisme chrétien. Ils sont tous les deux convaincus que l'homme ne naît pas homme, il le devient, et que par conséquent, la pédagogie est fondamentale. Et également la nécessité d'éduquer l'enfant à la fois dans la connaissance de l'être sacré et dans la connaissance des classiques. Et d'ailleurs, More et Érasme vont publier ensemble en 1506 un Lucien, donc un texte du rire, c'est vraiment le rire sardonique, mais parce que pour tous les deux, le rire aide à la piété. C'est-à-dire que la sagesse des anciens permet d'avoir une foi plus profonde dans le Christ. Ils ont aussi donc un sens de la pédagogie très fort. Érasme va composer plusieurs ouvrages de pédagogie, le De Ratione Studii, le plan des études en 1513 ou le De Pueris en 1529. Et More, de son côté, va avoir un grand intérêt pour l'éducation de ses enfants. Il va faire d'ailleurs de Érasme le professeur de sa fille Margaret. Ça va être son précepteur. Donc voilà, tout ça, ça les rassemble énormément. En revanche, ce qui les sépare, je dirais d'un point de vue très concret, vous avez d'abord un moine célibataire endurci qui est Érasme, et en revanche Thomas More, qui est doublement marié, puisqu'il va se marier en 1505 à Jane, qui décède en 1511, et un mois après, ce qui a beaucoup gêné parfois ses biographes, il se marie à nouveau avec Alice. Il a eu 4 enfants avec sa première épouse, donc il a une vie familiale que ne connaîtra jamais Érasme. Et puis surtout, je dirais qu'Érasme est un spectateur engagé de son temps. Il commente, il regarde, mais il ne participe pas. Alors que More est pleinement acteur des événements de son époque, des événements politiques et notamment de la réforme. Et pourtant, paradoxalement, le plus idéaliste apparaît être Thomas More. Ça, c'est une impression. C'est-à-dire que peut-être que c'est à cause de l'Utopia qu'on a cette impression qui est une société totalement imaginaire, totalement idéaliste. Il est allé beaucoup plus loin qu'Érasme dans ce type d'écrit, mais en réalité, More, dans son action politique, a été dans un réalisme froid. Il a été très sévère, notamment à l'endroit des hérétiques en Angleterre. Donc, justement, c'est l'objet de ma question suivante. Quelle est sa position par rapport à la réforme? Parce que vous disiez la semaine dernière que il y avait un lien entre la République des Lettres et le monde protestant. Est-ce que c'était le cas déjà à l'époque d'Érasme et de Thomas More, ou est-ce que ça sera le cas beaucoup plus tard au XVIe siècle? Non, c'est déjà le cas à l'époque d'Érasme. Seulement, comme je vous l'ai dit, Érasme est un spectateur de son temps. Donc, il est beaucoup plus facile pour lui de continuer à avoir avec des anciens disciples qui sont passés à Luther, de continuer à avoir un dialogue, de correspondre avec eux, parce que Érasme est toujours dans ce dialogue
qu'on appelle aujourd'hui la tolérance, mais qui ne veut rien dire au XVIe. On n'est pas tolérant comme aujourd'hui. C'est la tolérance, c'est l'idée de supporter l'autre jusqu'à ce qu'il redevienne comme moi. Hein, c'est, au XVIe siècle, c'est pas accepter l'autre dans son altérité. C'est, on attend que l'autre revienne à la raison, si vous voulez. Et Erasme va être toujours dans cette idée de continuer avec dialoguer avec l'hérétique, parce qu'il faut avoir beaucoup de patience, hein, et beaucoup d'écoute pour revenir dans le droit chemin. Avec Thomas More, vous pouvez trouver ce type de propos dans ses livres, mais il est vrai que dans son action politique, il a été très sévère, comme je vous l'ai dit, avec les hérétiques anglais. Mais on le comprend que si on le remet dans l'histoire, il faut bien saisir que Thomas More, il est au service de la couronne d'Angleterre, que Henri VIII a quand même reçu le titre par le souverain pontife de défenseur de la foi, parce que c'est pareil, Henri VIII, on a tendance toujours à penser qu'à l'Henri VIII de l'anglicanisme, mais au début, c'est un pilier de la papauté. Et donc, More va être, je dirais, dans l'obligation de lutter contre cette hérésie qui monte en Angleterre. Ce qui explique qu'entre 1528 et 1533, Thomas More va publier au moins 7 ouvrages contre l'hérésie luthérienne. Et en tant que chancelier, il va faire arrêter, alors les chiffres varient, c'est très compliqué, mais peut-être une quarantaine de personnes qui seront enfermées à la Tour de Londres pour cause d'hérésie. Et on sait qu'il y a au moins eu 5 personnes qui ont brûlé sur les bûchers, alors que Thomas More était chancelier. Alors, il y a un contexte religieux quand même particulier, c'est l'émergence des États modernes, nous l'avons dit la semaine dernière. Comment a-t-il réagi à la rupture d'Henri VIII que vous évoquiez tout à l'heure avec le pape? Alors, il a très mal réagi, au sens très mal, c'est pas du tout un jugement, très mal au sens qu'il n'a pas accepté cette rupture. Pour le saisir, c'est pareil, il faut remettre dans le contexte. Il faut se souvenir que Henri VIII, il arrive au pouvoir en 1509. Pourquoi ? Parce que son frère Arthur décède, ce qui n'était pas prévu. Henri VIII n'aurait pas dû régner. Et on va faire obligation à Henri VIII d'épouser la femme de son frère, qui est Catherine d'Aragon. Pour cela, il va bénéficier d'une dispense qui va être donnée par la papauté, et il épouse donc Catherine. Ensemble, ils vont avoir 6 enfants, mais tous vont décéder très tôt, sauf une fille, la future Marie Tudor. Or, Henri VIII souhaite absolument avoir un fils, avoir un garçon, que ne lui donne désespérément pas Catherine, alors qu'il réussit à avoir un garçon avec une de ses maîtresses. Donc, rapidement, il imagine que c'est Catherine qui est à l'origine du problème, et progressivement, il souhaite divorcer pour épouser Anne Boleyn. Il y a 7 ans de négociation quand même, hein, entre Henri VIII et la papauté sur cette question. Et il prend part, Thomas More prend Thomas part. Thomas More, face à cette situation, refuse de reconnaître la possibilité d'un divorce. Parce que Thomas More, d'abord, a une grande amitié pour Catherine. Et il est très fidèle en amitié. Et puis, d'autre part, il comprend bien que ce qui est en jeu, c'est quand même la tradition de l'Église. C'est-à-dire que Henri VIII est en train de lutter pour obtenir une nouvelle dispense. Hein. Henri VIII dit que dans le Lévitique, hein, on dit très clairement, tu n'épouseras pas la femme de ton frère. Mais on sait très bien qu'il a déjà obtenu une dispense pour épouser Catherine. Donc, si vous voulez, c'est un contexte extrêmement complexe qui fait qu'Henri VIII, finalement, décide lui-même de divorcer en se présentant désormais comme le chef de l'Église d'Angleterre. C'est en 1532, c'est un acte que pose Henri VIII et qui va permettre de séparer l'Église d'Angleterre de la papauté romaine. Or, Thomas More, cela, il ne peut absolument pas l'accepter. Il ne peut pas accepter la rupture avec Rome, il ne peut pas accepter qu'on touche à la tradition. Et donc, il va dire à Henri VIII, je comprends ton choix, je comprends tes raisons, mais j'accepte que Anne Boleyn soit reine, mais je ne peux pas signer tout cela. Et donc, en 1532, Thomas More va se retirer de son poste de chancelier en prétextant des problèmes de dos, il est malade, et il démissionne, si vous voulez, de son poste de chancelier. Et d'autre part, en 1533, Anne Boleyn est couronnée, et Thomas More refuse de venir assister au couronnement. Il le justifie auprès du roi, mais vous imaginez bien que ça ne passe pas. Ce qui fait qu'il va être rapidement convoqué devant le Parlement
d'Angleterre pour justifier de ses choix, et il assume en conscience sa position en disant qu'il ne s'oppose pas à l'affection du roi avec la nouvelle reine, mais qu'il ne peut pas accepter que ce soit désormais le roi et le parlement qui décident de la politique religieuse anglaise. Et donc, il va passer un procès. Alors, pour la petite histoire, en plus, dans les juges du procès, vous trouvez le père, le frère et l'oncle d'Anne Boleyn, qui vont juger Thomas More, et il est condamné à être décapité et même éviscéré. Et c'est Henri VIII qui va commuer sa peine en une simple décapitation. Henri VIII avait besoin de ce sacrifice pour imposer ses idées, ou il aurait pu accepter, sans tomber dans l'Uchronie, il aurait pu accepter qu'il se retira et puis... C'est une question. Il a besoin d'un bouc émissaire pour imposer ses idées? C'est une question très compliquée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Là, on se retrouve en 1532, où Henri VIII, effectivement, supporte extrêmement mal ce qu'il juge comme un affront de son chancelier. Et il est dans un moment de construction de son pouvoir religieux. C'est un très grand théologien, Henri VIII, d'ailleurs, ce qui va lui permettre de faire face à Rome. Et effectivement, il vit la position de More comme un affront théologique, un affront aussi personnel. Après, mais c'est très difficile d'y répondre, il aurait pu sans doute lui laisser la vie sauve. Mais il laisse son parlement décider de sa mort. Ce qui est particulièrement tragique, parce qu'il faut se rappeler que More et Erasme avaient cru reconnaître en Henri VIII le roi de l'humanisme. Mmh. C'est-à-dire que vous avez toute une correspondance entre eux, où Henri VIII est choisi comme le roi de l'âge d'or. C'est celui qui va porter à son apogée le message des humanistes chrétiens. Donc il y a une violence de l'histoire qui est absolument terrible. Lorsqu'Erasme apprend que la hache d'Henri VIII s'est abattue sur le cou de son ami, c'est vraiment le rêve humaniste qui s'écroule. Qui s'effondre complètement. Mmh, mmh. C'est le tragique qui crée la légende Thomas More? Oui, je pense. D'ailleurs, Thomas More, souvent, ce qu'on retient de lui, c'est Utopia et sa mort. Parce qu'il a une mort en martyr. Jusqu'au bout, il va assumer ses choix. Dans ses derniers textes, d'ailleurs, il répète au moins une quarantaine de fois « ma conscience ». C'est ma conscience qui m'empêche de revenir sur mes propos. Une sorte de parallèle, d'ailleurs, avec Luther, qui à la diète de Worms a le même discours lorsqu'il dit « ma conscience m'empêche de revenir sur mes thèses ». Eh bien, Thomas More est dans cette position de refuser, de renoncer à ses idées, à ses idéaux, à ses convictions. Donc c'est vrai que sa mort, en plus, il y a énormément de phrases qui sont presque devenues des proverbes, qui sont revenues jusqu'à nous au moment, vous savez, où More monte sur l'échafaud. Hein, il aurait dit à son bourreau « aide-moi à monter pour descendre, je me débrouillerai tout seul ». Il y a toute une série, si vous voulez, de formules, ou encore il avait une barbe et il lui dit « ma barbe est innocente, débrouille-toi pour ne pas l'attacher de sang ». Et cette constance qu'il a dans la mort, cette forme de sérénité, effectivement, a inscrit Fascine et a fait de More un martyr chrétien. Et d'ailleurs, on démarre toujours par la fin de la vie de More. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les biographes souvent sont gênés qu'il y a eu de mariages, qu'il ait pu être très sévère avec les hérétiques, parce qu'on préfère presque la légende de More à sa vérité historique. Mmh, mmh. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, Utopia, c'est la fin de la propriété. On n'est pas très étonné que les marxistes aient récupéré la chose. Oui, Thomas More, effectivement, va être récupéré par les communistes, vraiment comme un des penseurs fondateurs de la pensée du marxisme et du communisme. Alors, tout vient d'Utopia, hein, parce que quand vous lisez construction de cette société idéale, effectivement, More développe des théories où il n'y a aucune propriété privée, même les femmes et les enfants n'appartiennent pas au mari, les portes des maisons sont toujours ouvertes, les réunions sont faites toujours en commun, et donc voilà, toutes ces cités sont des sortes d'immenses phalanstères. Le seul souci, bien sûr, c'est que c'est un immense anachronisme. Thomas More n'a jamais été communiste, et il n'a surtout jamais souhaité que cette société
puissent exister. Hein, Utopia, c'est nulle part, et c'est destiné à rester un état inexistant. Il ne veut surtout pas qu'il existe. Donc il n'y a absolument rien de communiste chez Thomas More, qui était mais c'est un paradoxe tout de même. C'est un paradoxe parce que mais c'est ce fameux paradoxe que aiment cultiver les humanistes, aussi bien More que Erasme. Je songe par exemple Lucien qui a écrit un éloge des mouches. C'est toujours cette veine où la sagesse c'est la folie voilà, on est toujours dans cette recherche du paradoxe. Et chez More, alors c'est un texte qui a donné d'ailleurs naissance à des foules de commentaires parce que, j'allais dire, personne le comprend vraiment, mais chez More, c'est une façon de dénoncer la société anglaise de son temps, mais c'est pas un lieu qu'il veut construire. C'est toute la complexité. Ça s'appelle bien Utopia et pas par hasard. C'est vraiment le lieu de nulle part. Eh bien, merci beaucoup, Marie Barral-Baron. Je renvoie nos auditeurs à notre première émission, si vous ne l'avez pas écoutée, donc consacrée à cette République des lettres dont et Erasme et Thomas More faisaient partie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'une révolution, celle de l'imprimé. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.